c'est Memphis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de notre 100 Vampire Challenge. Tiens, il y a du monde là-bas. On va aller voir un peu ce que ça raconte. On est parti. Et salut! Moi aussi, je veux parler. Oh là là, il a... Ok. Non, mais... Ils sont chiants. Bon. Allez, on va essayer de discuter avec les trois en même temps. Présentation amusante, hop, hop, hop. Ah, Soso. Bon, s'ils partent, tant pis, je vais pas m'amuser à leur courir après. Cool. Ok. Il arrive. Il travaille où? J'ai entendu ça. Relations Wesh, publiques à cet Panda. endroit, SimTV. Ah bon? Je connaissais pas. Elle est enceinte, elle? Ah ouais, elle est enceinte, tiens. Bon, allez, on va faire des petits coucous. Salut, comment ça va? Faire connaissance. Alors, lui, on est déjà... Bon, on est déjà en... On ne s'entend pas très bien. Je vais le mordre, lui, tiens. Allez, hop, on a faim. J'ai remarqué qu'on a moins de problèmes quand on fait petite quantité. Non, 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 non. Stabilité sentimentale, d'accord. Comme ça, ainsi. Normalement, ils ne sont pas mécontents en faisant des petites quantités. Voilà. Y a personne? Si, là-bas, ça doit être un vampire. Allez, on est reparti. On va aller chez eux. On prend un peu au hasard. Et on est parti. Et voilà, on va aller frapper à 22h. C'est quoi cette heure à aller chez les gens? Allez hop. Ils sont plusieurs, on va avoir le choix. Bon, j'aimerais bien un homme quand même, parce que, bon, tout le temps... Tout le temps, les femmes... bon, on va se présenter à lui. Niara. Alors, hop. Je vais vérifier si déjà... Si il n'est pas déjà... regardez, révision mouvementée de l'université, c'est quoi ça? Ah, il regarde la télé, ok. D'accord, allez, donc du coup on va prendre une photo. Faut pas que je me trompe parce qu'il y en a deux qui se ressemblent. C'est lui? Ouais. Merde, qu'est-ce qui se passe? Oh, zut, je pensais que j'avais appuyé sur une touche qu'il fallait pas. Allez, donc du coup on est reparti. Hop, hop, hop. Par contre, le problème, c'est que je n'ai pas supprimé les autres photos. Oh, il est triste. Non, mais sois pas triste. Viens faire un bisou. Viens faire un bisou. Peut-être qu'un jour, je vais lui trouver un petit copain. Ça pourrait être fun. Bon, par contre, surtout... pas d'enfant, parce que sinon... Ça va être horrible. Voilà, bon, donc du coup. Celle qui est mort et après elle se plaint. Moi, je suis désolée, je suis en train un petit peu de remettre à jour ici parce que. Bah, au moins lui, ben voilà. Hop. Oh putain, c'est quoi ces photos toutes moches? Ah, il y en avait beaucoup que j'avais oublié de supprimer. Oh.
Il reste quoi? Hop. Voilà. Celle-là. Bon, voilà. Bon, il y en a déjà qui ne sont pas bonnes, on le voit bien. Pourquoi il dort? Bon, il est fatigué. Bon, donc du coup, ce qu'on fait, est-ce que ça a marché ici ou pas? Donc, il a consommé l'essence de bidule. Ouais, ok. Donc, du coup, on va ailleurs. Normalement, il me semble que le vendredi, il y a un festival. On ira au festival et on essaiera d'aller dans un appartement pour votre sim est ici. Ah, d'accord. Merci du renseignement. Alors, moi, je vais retourner là-bas. On a déjà eu le papa, je pense. On va s'attaquer un petit peu au reste de la famille. Ah ben la porte est directement ouverte, elle est pas belle la vie. Ah, allez. Elle est aux toilettes. Il me semble que lui, on l'avait déjà transformé. Je vais quand même... Oui, il est dans les maudits, donc lui, on l'a déjà transformé. Bon, écoute, on va y discuter un peu avec lui. Ah ouais, je me souviens, on avait essayé d'avoir l'ado, elle était en haut et elle avait disparu. Ouais, ben voilà, bon, on va faire ça. Allez, hop, on va aller discuter avec elle. Je sais même pas si elle est encore ado ou... Ah ouais, elle est encore ado. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils ne vieillissent pas. Attends, est-ce que le vieillissement est activé? J'ai un doute. Aha. Ah bah oui, non, mais je ne saurais pas le voir. Du coup. Ouh là là, attends, je vais aller voir parce que franchement, j'ai un doute. Il faut que j'active ça normalement. Âge automatique, Sims utilisé, oui. Ouais, l'espérance de vie normale, ouais, ça va. Oula, j'ai vraiment eu un doute, je me suis dit, non, il ne faut pas me dire que j'ai fait cette connerie-là. Ça me semblait juste bizarre qu'elle est encore ado. Mais bon, c'est pas bien grave. Eh, elle a encore disparu? Ah, elle est partie se coucher. Ah non, non, mais tu vas pas me le refaire ce coup-là, ma cocotte. Allez hop. Discuter, s'asseoir. Tu peux pas la réveiller? Si, il y a moyen. Ah mais non, ça c'est Sonia. Elle est là, voilà. Non, ne pars pas, reste ici. Aie confiance. Allez, donc du coup, hop, on va essayer de se présenter avec elle. Voilà. J'ai jamais fait gaffe à quoi elle ressemblait. Hop, 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 t'en vas pas. Ici, là, la caméra. Elle est pas mal. Hein. J'avoue que les ados font pas trop ados quand même, hein, mais illuminer la journée de quelqu'un. On va essayer de prendre la photo directe. Ben oui, hein. Toi, hop. Alors, est-ce qu'elle aura la même pose que tous les autres? On va voir. Ah non. Elle est mignonne. Allez, aie confiance. Et voilà. Ah ouais, gagne niveau 3 en photographie. Je me posais justement la question dans l'épisode précédent. Est-ce qu'il y a... Oh, c'est quoi ces lags? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça y est. Oula. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y avait la compétence photographie? Je ne me rappelais plus. Eh ben oui. Donc moi, je le sais. On va scandaliser le petit gamin et son papa. Allez, je veux voir leur regard, tout content. Allez, oui, ton tour viendra. Ouais, bon. Ah, c'est très lucratif, hein. Ça n'a pas marché ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, ah, j'ai eu peur, je me dis merde, ça n'a pas fonctionné, c'est la première fois. Alors, oh oui, c'est dur. Alors, donc du coup, lire l'ouvrage ultime, mais je l'avais lu ça, pourquoi ça n'a pas marché? Devenir une grande maîtresse, ouais. Ok, bon.
Je me suis trompée en fait, je lui ai juste. Attends. Franchement, j'ai des gros doutes quoi. Ouais. Allumé. On va mettre le feu à la maison. Elle arrête de parler. Fous le feu. C'est dommage qu'on peut pas provoquer des incendies là parfois. Ah voilà, il fait chaud. Super. Bon, allez, hop, du coup, on s'en va. On va aller où? Là-bas. On n'a pas déjà été là? C'est pas grave, on y retourne s'il faut. C'est pas bien grave. On est arrivé. À mon avis, c'est des maisons où je suis déjà venue, que les portes sont déjà ouvertes. Il est où? J'entends parler. Ils sont où? Bon. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me troll à moins que je sois aveugle. Bon, c'est pas grave, on va aller voir la dame ici. Ah, là au-dessus. Par contre, je serais curieuse de voir s'il n'y a pas déjà. Non, ok, ça va, c'est bon, on va aller se présenter. Ah, ça c'est quand même super intéressant hein, pour monter les étages. On pourrait avoir ça dans la vraie vie. J'imagine, plus de voiture, plus rien. Allez donc, du coup. Tout à fait. Bon, par contre, si j'essaie de faire une photo là, ça va être mort. Hein. Elle va se mettre derrière le mur, ça c'est sûr. Donc, ce qu'on va faire, on va y discuter ici. Elle est immature. Ah, mais ça, en général, ce sont mes voisins quand j'emménage. On est où ici? Je me souviens qu'ils viennent avec leur petit gâteau cake aux fruits où on est malade après avoir mangé. Alors, bon, donc, du coup, on va prendre une photo de la messe. Hop, on y va. Fais-nous ton plus beau sourire. Wogra, Vimpa. Non, mais... Mimlet. Fais une photo. Kiarva Zardé. Non, mais, oh là là. Snibara Watanini. Oh, mais oui, mais tu t'assois, espèce de dinde, va. Oh là là. Elle est chiante, elle s'assoit et après elle fait genre, je peux pas faire la photo. Allez, on recommence, on réessaye. Là, normalement, ça devrait marcher. Allô. Oh, non. C'est pas possible. Est-ce qu'elle est? Cardwell s'est mise, sérieusement. Ça, c'est clairement du foutage de gueule, mais qu'est-ce que... Oh, putain. Ça, c'est vraiment mais du foutage de gueule, quoi. Alors maintenant, pour me faire chier, elle va monter les escaliers. Mais pourquoi tu voles pas? Maintenant, tu marches. Voilà, qu'est-ce que je disais. Oh. Ils me rendent fou, ces Sims. Bon, déjà... Bah oui, mais s'ils le font là... Elle va encore réussir à se taper derrière un mur. Voler ici en tant que chauve-souris. Dépêche-toi. La laisse pas. Elle va redescendre. Je vais les tuer, ces Sims. Alors. Te casse pas. Oui. Non! Ça va, c'est qu'une photo, hein. Non, mais elle va où? Mais putain. Poulie. Purée, mais c'est pas possible, quoi. Mais ils sont vraiment débiles, c'est pas possible, ce truc-là. Bon, ici, tu peux venir, non? Ah ouais, mais elle va venir toute seule, du coup. Oh, que c'est chiant. Se moquer de la mortalité. Allez, hop. Bah ouais, tiens, mais ça, tu vas pas à travers le mur pour se moquer d'elle, hein. Allez, go discuter ici.
Elle est en colère, ben oui, c'est moi qui suis en colère là. Parce que là, c'est un peu le brôle là pour. Bon. Ne change pas de place. Non, non, discute pas, on s'en fout. Ah, quand même. Ah, tu peux faire ta belle, hein, après 100 fois, là, qu'on se tape derrière tes murs. Allez. Bon, ça va, j'ai assez perdu de temps. Hop, hop, hop. S'excuser, mais bien sûr. Allez, se transforme en vampire, c'est parti. Alors la totale, ça aurait été que ça ne marche pas. Je râle beaucoup, désolé, mais là, dans ces cas-là, c'est super chiant. Quoi. C'est une idée où elle commence à grossir, la doudoune. J'ai l'impression qu'elle prend du poids quand même. En même temps, elle n'a pas de truc pour faire du sport chez elle. Yes, super. Donc, du coup, je vais la faire rentrer chez elle. T'as faim? Allez, on se retrouve à la maison. Et voilà, on est arrivé. Alors, ça, j'ai toujours trouvé ça fun. La première fois que j'ai voulu faire ça, essuyer. Il faut être allumé pour essayer de nettoyer une flaque sur un sol de terre. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, normalement, la flaque, elle reste pas comme ça. Ça m'a fait rigoler, n'empêche. La première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait bien rire. Je me dis, bon, ben, ok, on se sent con. Allez, donc, du coup, ce qu'on va lui faire faire, on va lui faire lire son ouvrage, vu qu'elle doit faire ça pour... C'est marrant, parce que pourtant, elle l'a déjà fait. Lire l'ouvrage des vampires. Allez, on va lui faire faire ça vite fait. Allez, combien de temps ça va prendre? On va essayer d'aller jusqu'au bout, là, pour voir... Elle a lu que le comte était le premier survivant. Ouais, tout ça, on l'avait déjà lu, forcément. C'est cool, elle prend des points assez rapidement. Regardez ça comme ça augmente, quoi. Franchement, c'est la meilleure des solutions. Si vous voulez, si vous faites un vampire, que vous voulez augmenter votre truc ici, vos pouvoirs. Bon, bien sûr, au début, c'est toujours un peu long. Mais quand vous avez le livre ultime, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Allez, dépêche-toi à le lire entièrement. Je ne sais pas combien de temps il faut pour lire entièrement ce livre. Mais comme il faut que je le fasse pour mon truc ici, je ne sais pas. Ah, c'est quoi ça? Ouh, attention, on commence à devenir riche tous les jours. Il faudrait que je la fasse écrire un petit peu plus souvent aussi. Elle a 7 points. Bon, combien de temps ça prend pour lire? Vous voyez, si vous mettez en accéléré, ça va quand même super vite, quoi. Donc c'est très bien. On est vendredi. Il me semble que le vendredi, il y a un... Comment est-ce que ça s'appelle? Un festival. Je ne sais plus ça à quelle heure. S'il se lance, dans le prochain épisode, on ira. Je ne sais plus. Il me semble que c'était le vendredi. Au moins que les... ça change, je ne sais pas. Bon, combien de temps tu mets là à lire ton livre? Ce serait bien que... Tout ça, je fermais parce que autrement... Je pensais qu'elle avait fini, non. Surtout pas que je ferme les... où il y a les noms. Hop. Non, mais... tu veux qu'on se voit ce soir? Non. Alors, donc du coup... Hop, on ferme tout ça. Wow, ce que j'ai lu, dit. Wow. Ça ne s'arrête plus. Par contre, je ne sais pas comment ça se fait, mais tant pis, je vais mettre pause. Je continuerai donc dans l'autre épisode. Moi, en attendant, comme je vous l'ai dit, je vais mettre sur le mur les 3 victimes. Je crois qu'on en a 3. Hein. Je vérifie dans les photos vite fait. Ouais, on a 15 photos, donc ça fait 3 victimes. Donc, je fais ça en hors ligne. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bisous, bye bye!